Bien, nous sommes avec Jean-Paul Michel et Manuel da Silva, respectivement maire de Lagny et maire de Torigny-sur-Marne, en direct donc du marché de Noël qui se tient donc sur les deux rives de la Marne. Bien, je pense que le froid, vous êtes d'accord avec moi, n'a pas joué beaucoup sur l'affluence. Il y a beaucoup de monde ce soir pour l'inauguration. Lequel de vous deux commence à me répondre ? Voilà, on est ravis de coopérer ensemble. Deux communes de Marne et Gondoire se partagent la Marne, se partagent un pont et se partagent ces féeries de Noël, se partagent ce marché de Noël. On a une ambiance extraordinaire malgré le froid, vous l'avez dit. Et puis surtout, on met de l'ambiance dans nos communes, y compris dans des endroits parfois comme celui-ci ou à Torigny, qui sont un petit peu isolés des cœurs de ville. Donc on en est ravis. Voilà. Dites, c'est une première cette inauguration du marché de Noël des deux côtés de la Marne ? C'est pas véritablement une première, mais ça faisait plusieurs années que cela n'avait pas été fait. Et puis c'est une très bonne chose et j'espère qu'on recommencera l'année prochaine. Et puis après ces plusieurs années de disette sans festivité à cause du Covid, eh bien c'était le moment de recommencer. Et puis j'espère bien qu'on recommencera l'année prochaine effectivement. Voilà. Dites, il y a quand même pas mal d'exposants, hein. Hein, c'était. C'est dû être une sacrée organisation quand même à faire venir tous ces exposants là. Nous avons des équipes extraordinaires qui coopèrent. Ce sont des équipes qui travaillent effectivement et qui ont l'habitude de travailler ensemble puisqu'ils se connaissent depuis de nombreuses années. Et donc oui, c'est une grosse organisation, mais ils ont l'habitude. Oui, j'imagine qu'en amont, il y a beaucoup, ça œuvre depuis déjà quelques semaines. Non, puis nos communes sont séduisantes, elles sont très peuplées, il y a beaucoup de mouvements, il y a une gare, donc les commerçants sont attirés par nos sites. Donc c'est bien, ils viennent faire des affaires, mais il y a aussi les associations qui les rejoignent. Il y a pas mal d'associations caritatives qui viennent proposer des produits et puis bien sûr pour investir dans le caritatif. Bien. Je vais vous laisser faire votre tour du marché et puis on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour un vin chaud. Avec plaisir. Avec grand plaisir, effectivement. Merci. Alors, tu peux choisir deux couleurs. Tu les choisis ? Voilà. Hop. C'est bien ? Est-ce qu'on dit ? Alors mets-toi un peu devant pour éviter d'avoir des copeaux sur toi. Hop.
C'est tout. C'est génial. Et voilà pour toi. Bah, merci beaucoup, bonne continuation. Merci.